Tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma nouvelle vidéo année 2018. Donc, je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année et surtout la santé. Donc, je vais vous faire une vidéo sur mes achats que j'ai fait chez Sephora et une petite commande que j'ai fait sur le site Tarte. Donc, on va commencer tout de suite avec Tarte. Donc, j'ai reçu dans une boîte comme ceci. Ça a pris un petit peu plus longtemps, on m'a dit à peu près 10 jours, mais ça a mis un petit peu plus longtemps vu qu'il y a eu Noël. J'ai commandé le 22, j'ai reçu vendredi. Oui, ça a mis à peu près une quinzaine de jours vu que Noël, premier dedans, les jours fériés, ça ne passe pas. Donc, j'ai commandé ceci, qui est un coffret, qui est magnifique. Je vais vous présenter tout de suite. Les produits, déjà juste le packaging est magnifique. On sent la qualité des produits, je peux vous dire. Donc déjà sur le côté, on a un crayon, un mascara et un rouge à lèvres mat. Regardez tout de suite comme ça. Je vais pas chercher pendant une heure. La Glossy Lip Blend. Voilà. Ensuite, sur le côté, nous avons un blush, un illuminateur et un bronzer. Voilà. Ensuite, nous avons un grand miroir qui se tient comme ceci. Vous montrer les fards de la palette. Attendez, le petit film pour que vous voyez mieux. C'est super, en plus elle a, ça fait un petit tiroir. Voilà, les fards sont magnifiques. Donc je pensais qu'on pouvait pas commander sur Tarte parce qu'avant on ne pouvait pas commander dessus pour les frais de douane, et puis je crois qu'ils expédiaient pas en France. Et il y a quelques jours sur Instagram, des filles m'ont dit que on pouvait commander maintenant. Donc c'est ce que j'ai fait directement. Donc j'ai pris qui va avec ceci. À l'intérieur il y a un crayon noir, un mascara et un eyeliner. Voilà, avec des petits chats dessus comme ceci. Ensuite, ils m'ont proposé de choisir un échantillon. J'ai choisi du fond de teint. Comme ça, je vais pouvoir tester la couleur qui me va. Et si j'en ai un que je supporte, je prendrai un chez Tarte. Donc ça, c'est super. Et ensuite, on finit avec cette palette. Qui est magnifique aussi. Pareil, on sent que la qualité est au rendez-vous. Hein. Avec tout le dessus, couleur, tout le tour couleur or, et la palette est comme ceci, pareil avec un grand miroir, voilà, et un pinceau, comme ceci, il est magnifique. Donc toute ma commande m'a fait 96 euros, parce que je ne me souviens pas de pièce par pièce combien j'ai acheté, je me souviens juste du prix de la totalité. 96 euros. Ensuite, on continue avec Sephora. Donc, chez Sephora, j'ai choisi celui-ci. Je l'ai pris de le coffret de Noël. Ça fait un petit moment que je l'ai acheté, mais je n'avais pas fait la vidéo. Avec une magnifique pochette, comme ceci. Alors, vous connaissez tout, hein, j'ai vu pas mal de vidéos avec des personnes qui présentaient. Toujours avec le petit fascicule qui présente le produit, le fameux mascara de chez Too Faced, ceci, les petites palettes, avec le blush et les fards,
ceci. Je vais sortir avec. Voilà, avec des bouteilles de champagne et du champagne. Voilà. Et la petite dernière qui est bleu ciel avec des licornes. Enfin, une licorne et un petit chien sur des nuages, l'arc-en-ciel. Pas trop bien les couleurs, mais franchement elle est magnifique. Voilà. Ensuite on continue avec la commande de chez Sephora. J'ai pris la palette qui me faisait envie depuis un bon moment. Je la vendais sur presque toutes les chaînes. Comme ceci. Déjà juste le packaging. Franchement, elle est sublime. Pareil, donc avec un miroir, avec le papier, ceci pour protéger les phares. Et elle est comme ceci. Magnifique. Très contente de ceci. Elle vaut 65 euros. Le coffret de chez Too Faced, lui, il est à 44 euros, si je ne me trompe pas. Ensuite, j'ai repris aussi la première, enfin celle qui était juste avant. Parce que c'est pareil, ça faisait un moment que je la voulais. Voilà. Elle est magnifique aussi. Voilà, pas de miroir, mais c'est quand même de la qualité. Et puis bon, ça ne me dérange pas, il y a des miroirs sur toutes mes palettes pratiquement. Voilà. Pareil, elle était à 65 euros. Et on finit avec une palette. J'ai pris aussi à Sephora, comme ceci, de Zoeva. En fait, je l'avais pris que je ne l'avais pas pris pour moi, mais la personne m'avait dit qu'elle en avait déjà une. Elle se reconnaîtra. Et du coup, ben, après, elle m'a dit qu'elle l'avait. Elle ne l'avait pas, c'était pas celle-ci. Et du coup, ben, comme elle m'avait dit qu'elle l'avait déjà, je m'en étais servi. Donc, du coup, je vais la garder pour moi. Essayer de la sortir. Voilà. Comme ceci. Comme le packaging. Et celle-ci n'a pas de miroir, mais c'est pareil, les couleurs sont sublimes. J'adore ces couleurs-là. Celle-ci. J'adore. Donc voilà. Une petite vidéo se termine. Je vous fais à tous d'énormes bisous et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Salut tout le monde.